Donc, j'explique. Là, vous êtes en plein dans le cinquième épisode de Journey to the Savage Planet. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas vu les précédents et que vous ne connaissez pas le jeu, vous perdez un peu votre temps. Par contre, si vous connaissez le jeu, welcome. Moi, je vais continuer mon exploration, vu que j'en suis à même pas la moitié, je crois. Et vu que j'ai dit que sur ma chaîne YouTube, j'arrêtais au quatrième épisode, bah là, vous regardez la suite, qui ne sera pas publiée, certainement. Voilà, tout est clair. Récupère ton butin. On va regarder ça tout de suite. Est-ce que j'ai un courrier ? Non, pas de courrier sur le computer. Si, du courrier sur le computer. Tais-toi, Martin, je vais te regarder en direct, ce sera beaucoup mieux. Oui, c'est mon boss et il est intenable. Je vous rapproche, tiens, micro. Ah, ce PC, il boot plus lentement que le mien, c'est ouf. Tweet d'anniversaire. Mais je l'ai déjà vu, ça, Martin. Qu'est-ce que tu me racontes de la merde ? De la merde ? Lingette, c'est les pubs. T'as des idées noires ? Non, pas celui-là. Il y a des trucs qui sont immondes. On l'a déjà vu. On a tout vu. Alors ne me fais pas des alertes qui sont purement inutiles. Je pense que je peux pas m'améliorer grand chose. Un booster de décollage ? Je prends, moi. Bah ouais, je suis comme ça. Regarde-moi ça. X plus A pour charger. Oh là, je pourrais activer. Et tu te fais un méga jump. Bah, ça m'était demandé, donc ce serait idiot de pas le faire. Mais maintenant, tu peux sauter assez haut pour te blesser en retombant. Chaque haut comporte ses bas, hein. Ouais, mais il y a un avantage, c'est que je vais pouvoir aussi freiner mes chutes d'autant plus fort. Et quand on sait comme je suis doué pour me mettre des gadins sur les trucs de plateforme, c'est peut-être pas plus mal. Est-ce que je me prends une mission? Alors, qu'est-ce qu'on a d'actif? Récupérer les fragments du cristal brisé. Ah oui, c'est ça. Bah, on va se faire ça. Aller plus haut, on le fera juste après. Je sais que vous adorez quand je fais le téléporteur. Alors... Faut que je retrouve l'espèce d'hôtel où démarrer ma mission, dont j'ai plus aucune idée d'où il se trouve. Je suis même pas allé visiter là-bas dedans, je vais y aller tout de suite, tiens, parce que la curiosité, etc. Vous connaissez mes trucs. Hein. Secret à proximité, je veux bien, mais il est où ton secret? Ne le fais pas trop secret pour moi quand même. Pas abusé non plus. Mais t'as vu qu'il est là-bas dedans. Pourquoi il me propose de scanner des trucs? Je les ai déjà scannés ces machins. Ah ça. Ça m'évitera de mauvaises rencontres. Oui, les essaims sont assez coriaces par ici. Dans l'enveloppe infestée. On va le laisser tranquille lui. Juste neutraliser ses potes. Il y en a encore. Ça se passe tranquille. Alors, est-ce que je fais ma petite overwrap? Bon, on va découvrir une zone de plus, hein, ce sera rigolo. Ah oui, mais il y a du monde. Hop, donc on va prendre les graines pour s'accrocher. C'est important. Plotch. Plotch. Et plotch. Je m'en fous de toi. Oh là. Ça va faire mal. Ah, j'avais prévenu que ça ferait mal. Il est où le truc? Il y a un machin. Oh mais il est pénible ce truc. Dis. Oh le cinéma pour un mouchillon. Il va y avoir une ruche que j'ai pas vue en montant. Ah oui c'est ça, c'est celle-là. Hop.
Où quelle est cette ruche que j'ai la flingue que je m'en débarrasse? Plotch. J'espère que je vais avoir assez de hauteur pour grimper là-haut. Peut-être, allez, on va le tenter comme ça. À travers le champignon, je l'ai dans l'os. Ah, et j'ai plus de graines. Oh, ça c'est une bad news. C'est trop une bad news. Bon, je redescends. Plus que ça à faire, hein. Donne-moi ces dernières graines. Non. Oui. J'ai pas essayé mon saut boosté, ça me fait penser, tiens. Alors, qu'est-ce que ça donne ce saut boosté? Oh, ça va être la fête, je le sens. Comme j'adore. Tu voulais essayer ton saut boosté? Non, merci. Oh. J'espère que j'en aurai assez, sinon je vais me mettre dedans tout seul. Il n'y a pas intérêt à se gouer de commande là. Je me sens seul, je me sens triste, je me sens pas bien. Je crois que j'ai bien résumé la situation. Ça, c'est pour vous faire plaisir. Mais moi, oh, c'est tout flou, bien. Bah, je préfère mieux pas voir, en fait. Je sens mon désespoir arriver. Oh, comment je suis pas bien. Tout ça pour un secret à la con. Entre nous, j'en voulais pas de son secret. Moi, je veux continuer l'aventure. J'ai pris un truc parallèle et c'est pas cool. Oh, il s'ouvre direct celui-là. J'aurais un peu pris de travers de devoir passer dans un truc pas possible. Je pourrais redescendre par là, mais voilà. Et je peux continuer de monter, je vois. Oh, je suis pas bien. J'aime pas la hauteur. Clutch, c'est quoi la surprise? C'est quoi la blague? Une bestiole? Non, bonus. Content. J'arrive. Vous excitez pas. Vous excitez pas, les gars. Regarde. Qui c'est qui veut un... Et voilà. Le drame. Allez, un petit troisième pour la route et on y va. Est-ce que j'ai un passage là-bas? Même pas. Si, peut-être. Où veut-il m'emmener ce truc? Aïe. Quoi? Il y a un escalier là-bas, il y a une structure. Je devrais avoir un autre chemin, je pense. Parce que ce serait pas sympa de me lâcher tout seul là. Allez, moi ça. La technique du pro. Vous avez vu ça? Oui, bah maintenant j'ai plus peur de rien, quoi. C'est ça le truc. Quand on te l'a fait une fois, on te l'a fait toutes les fois, quoi. Est-ce que je peux descendre plus sans me casser la margoulette là? Et voilà! Et je suis content. Tout en me tapant un petit peu les pieds en arrivant, c'est plus drôle. Alors, qui vais-je menacer? Faut que je retrouve mon hôtel qui doit être plus par là-bas, je crois. Et je crois que je vais droit sur l'hôtel là. Et c'est à moi toutes ces petites ressources.
Donc, à partir de mon hôtel qui est par là, Chibi. Voilà. Il y a encore des fragments à récupérer. Utilise ton scanner. Je sais que tu peux pas te retenir. Allez, vas-y. Sinon, je vais répéter exactement la même chose avec exactement le même ton jusqu'à ce que tu le fasses. Apparemment, c'est une durée limitée, hein, ce truc. Oh là là, c'est là-bas dessous. Oh purée de bordel de... J'ai pas envie. Alors... Mais j'ai pas l'envie. Ok, je le vois ton truc. Ça va être moche ce que je vais faire, mais je vais quand même le faire. Comment je partirai de là? J'ai pas réfléchi à ça en venant là. Ok. Comment je remonte? Ok, tout ce que j'adore. Je suis heureux d'être venu, merci. Oui, vous sentez le timbre de voix du mec qui est trop bien d'être à un endroit où il... C'est l'antithèse de là où je devrais être. Oh, je vais dégueuler, vraiment. Oh putain, il y a encore un passage là-bas, mais je n'irai pas. Si c'est un bonus à la con, il y restera. Croyez-moi, les amis. Oui, il y a des choses que je refuse de faire. Restons sympas avec la faune. Et elle nous le rendra. Ça va être mon discours du jour. Donc, il me reste un fragment à trouver. Il y a encore des fragments à récupérer. Utilise ton scanner. Je sais que tu peux pas te retenir. Allez, vas-y. Ok, c'est là-dedans. Oh, il était juste à côté celui-là, ça va. Un petit bonus pour papa. Yeah. Je crois qu'on a tout. Retournons au sanctuaire pour rassembler tous les fragments. Bah attends, je suis pas venu pour rien. Moi. Je ratiboise là, des fois qu'il y a un truc planqué pour Bibi. Non, rien. Faudrait que je me trouve une petite santé, ce serait bien. Bon, jusqu'ici tout va bien comme on dit. Par contre, je sais pas si j'ai flingué les deux babus. Alors les deux babus, ben c'est ce sur quoi j'ai terminé le quatrième stream qui est pas encore diffusé. Et voilà, comme neuf, il faut maintenant prélever un échantillon. Pardon. Et donc oui, il y a une arène tout là-haut. Là-bas derrière, il y a une arène avec un boss et... deux babus un peu pénibles que j'avais flingués. Je sais pas s'il me les a comptés du coup. Ça, c'est du prélèvement. Fabrique la tâche protonique avancée. Et ben, filons direct au téléporteur dont j'ignore où il se trouve, mais qui m'est super bien indiqué grâce à cette interface Deus Ex Machina. Alors c'est vrai que l'interface, j'ai gueulé au début qu'il n'y avait pas de plomb, mais en fait quand on voit l'assemblage 3D que c'est un peu évident. Et du coup, GG quoi les gars, GG. J'ai encore un truc ici, inspecter la tour, cartographe égaré, ok. Dear Atari Anonymous, ever since my husband Luno returned from Earth with Asteroids, the new Atari home video game, he and the rest of the family do nothing but play Asteroids. Luno says Asteroids is good practice for his interplanetary life. Bitty bitty, bitty bitty. Tell me, dear Atari Anonymous, with everybody hooked on Asteroids, what on Earth is a poor Martian mother to do? New Atari Asteroids, now available for your home. Mon boss est fêlé.
l'univers, des dizaines, peut-être même des centaines d'explorateurs retournent chaque pierre, répertorient et étudient les fonds locales et transfèrent d'innombrables données au service de recherche de Kindred. Tu vois ce que je veux dire? Notre taux d'échec ou de décès est de 15% dans toutes les activités de notre entreprise. Bon, ça va. Alors, de savoir que tu es toujours vivant et en train d'écouter ce message-là, ça réchauffe le cœur de toute l'équipe Kindred. Bingo! On a gagnant! On aimerait aussi profiter de l'occasion pour te parler de Puff Puff Pasta 79. Ce jeune homme-là a réussi à rester en vie, mais il a aussi attrapé... ça. Ça fait mal juste à le regarder, mais on pourrait peut-être avoir ici le remède à certains fléaux qui continuent de frapper notre espèce, comme le virus herpès simplex ou le syndrome du membre étranger. Je te souhaite bonne chance, Puff Puff Pasta 79. Nos recherches pour trouver les meilleures planètes susceptibles d'accueillir la vie humaine se poursuivent. Et grâce à qui? À toi! Continue ton exploration! Et je meurs pas, ok. Enfin, pas tout de suite. J'en suis à combien? 9 clones quand même, je m'en sors pas trop mal. Alors c'est vrai que le jeu est relativement facile, il est accessible. Et moi ce que je vous recommanderais, bah, c'est plus que d'avancer dedans à fond la caisse en flinguant tout ce qu'il y a. C'est de vraiment prendre votre temps et jouer votre rôle d'explorateur. Parce que c'est très rigolo du coup. Et le jeu vous invite totalement à ça. Et on va continuer notre ascension. Yatta. Alors ça, j'en ai rien à faire. Il faut que je retrouve un endroit qui était plus par là-haut. Oh, ces machins qui couinent me font mourir de rire. Non, on va éviter. Je crois que c'était par là. Les cartographes sont désormais programmés pour tracer un itinéraire de ta position jusqu'à la localisation de l'ingrédient indispensable à l'amélioration. Va le chercher ou pas. Hop, qu'est-ce que quoi? Ah, saloperie. Oui, le troisième. Ok. Bon, moi je vais continuer ma grimpette. On dirait qu'il y a un truc là-bas. Ça comme je suis malin. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'y vais? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Mais j'y vais quand même. Oh, quelle idée géniale j'ai eue. Oh. Plus jamais. Au moins, il y a de la ressource. Hein. On vient pas pour rien. On est récompensé. Mais il va falloir que je sorte, les amis. Et ça, ça va être... comment dirais-je? Moche. C'est mieux avec de la lumière? Pas beaucoup. Mais au moins, je peux voir que je peux viser ça. Ce qui est toujours mieux qu'un coup de pied dans les... Oh, ce que vous voulez. Ah, il m'a coûté cher ce bonus. Ce serait pas le moment que je me fasse défoncer. Devrait y avoir une plante là. Pour me remettre la patate. Monsieur, elle est fatiguée. Ok. J'ai l'air con en plein éclairage avec mon ma loupiote. Je crois que je l'ai déjà trouvé, Bali.
Tout va bien. Tout va très bien. Trop bien. Alors, scannons voir. Donc là, il me dit qu'il faudrait que je monte. Avec mon super boost of the death. Que j'arrive pas à utiliser d'ailleurs. Bah, marche pas mon pack. Terrible. Et ça, c'est mon grappin amélioré. Ah, 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 ah. C'est Jet Set Radio. Faut pas me faire ça, les gars. Ou alors on prévient avant. Je sais pas où je vais. Oh, c'est terrifique, ça. Quand ça va être sur des rebords, je vais pleurer. Ouais, c'est ça, je vais pleurer. Qui est... Oh, le gadin. J'aime pas du tout ces sauts. Alors là, je suis plus haut. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça va m'emmener dans un coin sympa? Il n'y a plus qu'à essayer, je crois. C'est quoi ça là-bas? Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que ça va être? Putain, il va falloir que je saute et que je me rattrape là-haut. Je le sens pas, mais on va y aller quand même parce que c'est la franche rigolade. Yeeha. Oh là là, où il m'emmène? Je veux pas. Oh purée. Je vais prendre cher. Je sais pas où il m'a emmené, si c'est un bonus ou s'il fallait aller là, mais... Pff, fallait aller là. Ok. Il y a de l'ombre de partout ici, c'est terrible. Ah là 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 là. Ah, ils sont pénibles. Il y en a un troisième, il est où les loups? Où qu'il est le bébé? Ah, je le vois pas. Plotch. Ah, Zet, il était mérité cet endroit, hein. J'ai pas regardé autour, vous avez vu. J'avais trop peur. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Est-ce qu'il est là, cet échantillon? 18 mètres. 83 mètres. On va aller jeter un œil. J'ai rien vu. Bonjour. Ça a l'air sympa. Tout ce qui est jaune et qui brille. Mais comment je vais me démerder dans ce merdier là? Ouais, j'y vais tranquille. Je ne vous permets pas. Il y a l'air d'y en avoir un paquet de ces sales mouchillons que j'aime tant. Je vais où moi? Ah, je l'attends là-bas. I've got no idea of what I'm doing, but I'm doing it well. Oh yeah.
connerie. D'accord, faut flinguer tous les trucs jaunes. Ça va être sport, ça va être très sport, les amis. Ah, j'ai bien pris celui-là. Là, je trouve des plantes qui réparent. Allez, on y va. Je vais vérifier qu'il n'y en a pas d'accessible d'ici. Ce serait ballot de passer à côté et de rien faire. Ah, calmez-vous les gars. Celui-là, il est quasiment accessible d'ici. Quelle aventure. Je monte un peu moi. Ça c'est check. Ensuite. Oh les saloperies. Aïe 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 le gadin. Voilà, ça va se passer. Just in time. Et donne-moi des bonus ton autre os. Ah, je vais crever bêtement. Ah, je monte là-haut, moi. Ah. Mieux. On va y arriver. Tire. Ça, c'est bon. Il ne reste plus que par là-bas. Non, non, pas comme ça. This is the story of Earthworm Jim video game. In outer space, a sweet evil cyborg belongs to Queen Cyberspace suit. Well, it smooshes. Why not a slimy Earthworm Jim? And Blammo, he becomes a super-powered hero. He takes out that precious dog. Then that stupid worm goes onto the planet and even tries mucus spongy jumping. And if that doesn't stop him, maybe the battle with Queen Festering Sweaty Slug for a butt will. Earthworm Jim from Playmates. Alors, je vais vous résumer rapidement la situation. Vous allez voir, il y a un gros machin au milieu. On peut pas le rater, il est énorme. Il est tellement énorme, d'ailleurs, qu'il fait plusieurs niveaux de hauteur.
et qu'il a des points sensibles jaunes, clairement identifiables, qu'il va falloir que je flingue, mais que je flingue en trois phases. La première phase, il va falloir tous les flinguer, revenir à l'œil, lui défoncer l'œil, ça va déclencher la suivante. À la suivante, il va mettre des petites... Il va protéger avec de l'ombre toutes ces zones sensibles. Donc il va falloir préalablement que je prenne de cette plante qui est là-bas d'ailleurs. Hop, on la voit bien. Regardez-moi ça. De cette plante qui fait des grenades qui me permettent de faire fondre l'ombre. Et une fois que j'aurai fondu l'ombre d'un endroit, bah, je pourrai y accéder, c'est-à-dire le flinguer. Et ça, sur tout le corps encore de ce petit bonhomme que vous allez voir dans pas longtemps. Et la troisième phase, bah, ça va être grosso merdo la même chose, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits parasites qui apparaissent. Et vous allez voir comme ils sont énervants, ces parasites. Salut gros! T'as envie de mourir aujourd'hui? Dis-moi oui, Chou, Andy. Hop, hop, hop. Et ils sont là, je suis pas resté parce qu'ils me tirent leur langue dessus et c'est purement dégoûtant. On n'a pas idée de mettre la langue comme ça. Enfin, pas qu'on se connaît pas vraiment, quoi. Regardez-moi ça. Et alors mon flingue, entre le fait que je tire à côté et le fait qu'il ait 10 balles en stock, 10 balles c'est pas cher. Hein. Hop. Ouais, je reste encore là, moi, pour l'instant, parce que je suis mon gros timide. Allez, on va déjà flinguer ça. Hop, on se cache. Vous avez vu ça? Il me tire des langues dessus, les gars. Je sais qu'on n'est pas loin de la Saint-Valentin, mais faut rester quand même dans des limites limitables. Ah! Je me suis fait rouler une pelle à l'insu de mon plein gré. Ce jeu est diablerie. Je tire comme une patate. Et là, normalement, notre ami Nonoeil, bah, nous dévoile son Nonoeil, justement. Qui est le... Voilà. Et on va passer à la phase suivante, où il va mettre de l'ombre, ce couillon. Et ça, ça va me foutre le bordel. En plus des moustiques, qui sont toujours si pénibles. Donc je pète l'ombre gentiment, là, plotch. Et que je fasse gaffe, parce que ça, ça fait pousser les grenades par deux, quoi. Si j'en gaspille, c'est DMC, quoi, comme le run. Non, je m'en fous de vous, les gars. Je vais me faire mes trucs en ombre, tranquille. Et là, je vais vous aligner, tranquille aussi. Ah! Vite, une plante. Ah! Vite, une plante! Je vais crever, pas maintenant. Ah, c'était moins une. Donc vous avez vu cette vermine volante là, c'est quand même pénible parce que ça vous nique tous vos points de vie. C'est pas le gros mieux qui tape. C'est vraiment ces petits moustiques qui foutent le bordel. Et c'est pénible. Où c'est qu'il m'en manque un? Ah, juste en bas là. C'est pas grave, je maîtrise. Oh que c'est long ce rechargement. Allez, fais voir ton œil. La santé, si j'en trouve, j'en prends. Parce que je vais en avoir besoin. Cours, gros, cours, 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 cours. Miam, 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 miam. Hop, le Nonoeil. Il est où, Nonoeil? Là. Et on y retourne. Alors là, ça va être ma fête. Et hier, je suis mort. Il me restait un truc à flinguer. C'était horrible. J'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer, mais sans déconner. Qu'est-ce qu'ils sont emmerdants ces trucs? Clutch, ça y est, je suis débarrassé pour 2 secondes. Je vais vite aller chercher de quoi faire péter l'ombre. Merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah, je me suis tout englué tout seul. Vas-y vite gros. C'est tendu, je vais ramasser tout ce que je peux comme santé parce que j'en ai vraiment besoin. Bon ça va. Et on va monter tout là-haut, tiens. Oh, c'est tendu. C'est tendu comme un stringe. Voilà, ça va être ma fête.
insecte et de mouchillon de... de merde. Ah, il en reste encore un, je le vois pas. Ah, c'est pas bon pour mon matricule. Ah, faut que j'arrive à remonter, que je prenne de la santé, que tout en même temps. Hop, 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 on va se mettre là-bas. Je sais pas où il est le dernier. Si, il est là. Oh putain, il m'en reste un, il m'en reste un. Faudrait pas que je crève maintenant, vraiment, vraiment, vraiment. Vous sentez le stress du mec trop pas rassuré, quoi. Je vais me mettre vers la life. On va observer où c'est qu'il m'en manque un. Où c'est qu'il m'en manque un, je le vois pas, bordel. Ça doit être tout en haut. Allez, on remonte. On reprend un petit peu de jus de salsa pareil et ça va le faire. Il est où mon truc? Oh, putain. Vous êtes collants les gars, vous êtes collants, je vous dis. Aïe 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 aïe. Alors, il me reste un truc jaune, il est où? Le premier qui envoie un, il crie. C'est une extrémiste, comme on dit. Un truc jaune. Si vous voyez un truc jaune, moi j'en vois pas. Honnêtement. Et c'est pas faute de chercher. Hein. Et je vois pas qui me tire dessus en plus. Ah, la diablerie. Est-ce que je vais être peinard un peu? Non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Un truc jaune. Il me manque un truc jaune. Il est où? Putain, mais je suis miro. C'est incroyable. Alors, les amis, on a un problème parce que il me manque un truc à flinguer et je vais crever, quoi. Tant pis pour moi ça. C'est offert par la maison. Alors faut absolument que je flingue ces trucs, sinon je vais t'emmerder jusqu'à la fin des temps. Oh putain. Homme, il me gonfle. Et plus vous vous énervez, plus vous énervez, quoi. Y a pas de secret. Alors le dernier truc jaune, il est où, bordel? Je le vois pas, je le vois pas, c'est de la folie, quoi. Et je vais crever dans pas long si ça continue. Merde, de merde, de merde. Je vais redescendre prendre de la life parce que ça va mal se passer pour moi. Où est le dernier point jaune? Là, putain! Oh là là là! Comme je m'en veux! Mais comment je m'en veux, les amaches? On y va. C'est pas grave, je suis bien là. Yes! The boss. Alors c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il veut encore, Nanoï? Faut que je lui tire une bastos dans l'œil. On y va. Ah oui oui, la cruauté, je vais en faire acte. Mais alors, la vengeance va être terrible. Viens là, gros. Là, on fait moins le malin, hein?
Bon, les amis, la bonne nouvelle, c'est que je suis enfin arrivé à passer ce damné boss qui m'a quand même bien fait tourner en bourrique. Hein. Bon, c'était un bon gros morceau de bestiaux, mais quand même. Oui, un petit coup de jetpack, c'est salvateur, parfois. Il n'y a rien là-dedans. Ah. Possible de faire tomber cette étrange barrière. Il doit bien y avoir un moyen de passer de l'autre côté. Plus près, on pourrait pas. 6, 5, 4, 3, 2. Hop. Fallait tout connement passer dans le trou. Merci, la vie. Allez, au revoir. Mais va te pendre. Je me déteste. Je me déteste purement. Et alors, les viewers, vous avez le droit de faire pareil, hein, de me détester. Parce que j'étais à côté du truc. Et je suis pas descendu dans le trou. C'est juste la tristitude incarnée. Non, je ne fais pas un cri de joie parce que je suis pas fier. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué? Oui, j'ai vu le plus fort machin. Ok, corrosif, du coup, je déterminais. Non, oui, peut-être. On s'en fout. On va continuer à se balader. Parce que, oh, il y a un téléporteur en plus à disposition. Il n'y a rien à explorer. Non, je vais pas perdre plus de temps. On va déjà bien tourner pour rien. Oh, j'ai pas pu m'en empêcher, ça me fait trop rire. Bah oui, c'est ça, quand on était baigné par les téléporteurs de Star Trek, il faut absolument le bruitage adapté. Gros chargement. Qu'est-ce qui va nous arriver? Pour ma part, ce sera un petit café. Le royaume est terré. Oh, ça fait trop vrai. Il est bon ton café, gringo. Hey, hey, hey.